with the participation and with the help of a translator in case you have any doubt. And what I wanted to bring here to ICI meeting is mainly a practical and a case study of the work that I've been developing throughout the following the past years, the past 7 years. I have a background as a psychologist. I have a background also as a competitive vaulter. And since 2007, I've been developing and inserting the discipline of voltige in Portugal that didn't exist, and creating in two branches, the artistic approach as a performer and the other pedagogical approach as teaching and implementing the disciplines to kids to all different ages. Ok, donc ce que Natalia souhaitait apporter à cet ICI meeting aujourd'hui, c'est principalement un témoignage sur une expérience pratique, une mise en pratique de la voltige. En termes d'expérience, elle est psychologue et elle a également une expérience de compétitrice internationale en voltige. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait au Portugal, elle a créé une école de formation. Parce qu'au Portugal, il n'y a pas de fédération comme nous en France. Nous avons par exemple la FFE, la Fédération Française d'Équitation. Au Portugal, ça n'existe pas. Il y a une fédération, mais la voltige n'est pas incluse dans la fédération, la fédération portugaise. Et donc, à travers son école, elle souhaite développer principalement deux axes. Can you remind me which performance and the pedagogical and the artistic? Ok, donc elle souhaite développer deux axes, la performance d'un côté et ensuite l'aspect pédagogique via cette performance dans la pratique de la voltige. Ok. So, mainly what I could bring to you is voltige is a very complex discipline and also highly visual. I try to make a more informal and less of a research but more as a case study of what has been done so far in Portugal in voltige, and I can situate what the project is about. So me as a horsewoman, as a competitive vaulter, as a performer and a teacher and a psychologist, I could probably bring a lot of theoretical aspects, but also as a person that doesn't come from the métier of the horses and also coming, being very young and still being active, I thought it could be very useful for all of you that are working, that I could bring the project and say the challenges, the difficulties that we have in implementing the discipline, and also the ways and the alternatives we're trying to overcome all these challenges. Ok, donc ce qu'elle souhaite présenter à travers ce cas pratique et cette expérience, c'est vraiment l'alliance d'un côté de sa formation de psychologue qui lui a donné une sensibilité particulière sur le sujet, et ensuite l'autre approche qui est qu'elle n'est pas issue particulièrement du milieu du cheval, elle est pratiquante mais pas... plus pratiquante d'apprentissage. Et donc ce qui l'intéressait, c'était vraiment de montrer le lien entre ces deux dimensions via la mise en place de ce projet. Yes, so mainly of the work that we have been doing, it has been independent. So we decided to found the Voltige Team Project without the support of the Federation, because Voltige is not yet inside the Federation of the Portuguese Federation. Or independent from the riding club. So most of what we have done and the alternatives that we could find, it was an exploration of what we've been doing so far. Donc ce qu'elle a voulu faire, c'est mettre en place une équipe pour monter ce projet de voltige. C'était vraiment la première étape, c'était ce qui était très important, puisqu'encore une fois, la voltige ne fait pas partie de la fédération, il n'y avait pas forcément de structure ou de processus en place. Donc premièrement, elle a cherché à trouver son équipe pour mettre en place le projet. So basically, just to understand what the project is about, we've been working since 2007 until so far. We've prepared independently 9 horses, and created a team of 75 students that coming and going, and done in the artistical aspect, we've done over 70 presentations in Spain, in France, in Germany, throughout Europe, artistic presentations and also pedagogical ones. Donc elle a fait aussi bien des présentations artistiques que pédagogiques dans différents pays. Cela s'est déroulé donc entre 2007 et 2013. Avec 9 chevaux qu'ils ont préparés à la pratique de la voltige, une équipe d'à peu près 75 étudiants pour réaliser ces présentations, donc plus de environ 70 présentations. Yes,
And basically, one of the milestones that we could highlight, we've been working with Luis Valença, that he's a master in classical horsemanship in Portugal. We've been doing shows with him, with Frédéric Pignon, maybe you're more familiar with him. Appassionata, La Cité du Cheval in Tarascon is also a school of Artistes Spectacle Equestre. Mm-hmm. Yeah. And also in the media side, from the performance aspect, we've been working in the media, so doing advertising, doing books, doing an artistical, trying to bring the mythy of the horses that in Portugal is constrained to sport or to work, to a more artistical approach, and also bringing and teaching students more than just riding, but all a more holistic and a more broad aspect of horsemanship. Donc l'idée de ce projet, donc vous avez vu les différents noms avec lesquels elle a pu travailler, c'est assez facile à comprendre. Il y avait vraiment donc il y avait des approches d'artistes du spectacle équestre. Il y avait aussi au niveau des médias sur des magazines, de la vidéo, enfin de la télévision au Brésil, au Portugal. L'idée c'était vraiment en fait de développer quelque chose notamment qui au Portugal n'était pas forcément très bien connu, c'est-à-dire que la pratique de l'équitation avait plutôt une approche de travail, à utilité de travail. Et là, l'idée, c'était vraiment d'apporter une dimension artistique à l'approche de l'équitation à travers la voltige. Et dimension artistique et pédagogique. So the model of what we've been doing was basically we had the project, we know what we wanted to do, but we had to find the means of doing it. So it was learned by doing, it was a very experimental trial. Mm-hmm. Donc, en fait, ils avaient l'idée de ce qu'ils voulaient, de là où ils voulaient aller, de à quoi ils voulaient aboutir, mais ça a vraiment été un processus d'apprentissage pas à pas, d'apprentissage à travers le fait de faire pour réaliser ce projet par étapes. Yeah, where we had to be very brave to carry on doing it, to believe that it was possible to be done, responsible because we are working with animals and also we're an example to the kids that we are teaching. And curious to find all the alternative solutions that directly you cannot find, the answers that you cannot find directly. Donc il y avait trois principales qualités qu'il a fallu qu'ils développent ou qu'ils aient pendant ce projet. Le premier, c'était d'être responsable, puisqu'ils travaillaient avec des animaux et que forcément ça implique de nombreuses règles de sécurité et de toutes sortes, comme nous avons pu le voir sur le reste des présentations et des ateliers. La deuxième chose, c'est qu'il fallait être créatif, parce qu'il n'y avait pas forcément des solutions toutes prêtes, et encore une fois, il n'y avait pas forcément de procédures ou de structures en place, donc il fallait vraiment trouver des solutions face à des difficultés. Et le troisième point aussi qui est lié à ça, c'est qu'il fallait être persévérant parce que voilà, il y a des difficultés qui se sont présentées, qui se sont soulevées, et donc il fallait vraiment tenir à ce projet pour le porter, pour le mener à bien. So this is the work that we've been doing with the students. We have a group of students that has been training voltige as a competitive discipline. This is the group that has been competing, and they competed last year in the Cup of Madrid. The two horses there are also being prepared for the competitions. And the solution we find for them to start competing is that because it's not federated, they could be federated by Spain. So they've been competing in Spain as an alternative that we have found so far. Donc ici, vous avez une photo du groupe d'études de jeunes apprenantes qui ont fait partie de la Coupe de l'Espagne. La Coupe de l'Espagne, donc avec les deux des chevaux qui ont été entraînés pour faire cette compétition. Et la petite particularité, c'est que, donc comme on a dit, la voltige ne fait pas partie de la fédération au Portugal. Donc en fait, cette équipe a été inscrite sous la fédération de l'Espagne pour pouvoir participer à la compétition alors qu'elle venait du Portugal. So we have a group of students. From this group of students, we have the ones that are prepared for competitions. And the way that we prepare them, it's bringing them also to the demonstrations that we do in the jumping competitions in other disciplines to prepare them and the horses for them to be able to compete abroad. So you make them do all the competitions?
They make demonstrations in other competitions. Oh, okay. Donc une manière de les préparer à faire notamment par exemple cette coupe en Espagne, c'était de les emmener pour déjà présenter leur spectacle dans d'autres compétitions, dans des par exemple des concours de saut d'obstacles ou d'autres compétitions de d'autres disciplines équestres, ce qui leur permettait de se confronter déjà un peu aux conditions de spectacle pour ensuite présenter leur travail. We've been currently working with two horses. One is a Belgian horse that has the background in jumping competition, show jumping. So for him, he's very much used to being in this environment. He's very calm and very sociable with the kids, and he's around 180. And the other horse I've been working with, and normally not very common for Voltige, is a Lusitano horse that has a smaller dimension, but mind-wise, he's very capable and very good for Voltige because he's very expressive and really likes cooperating with us. Donc sur les deux chevaux qui sont présentés. Which one was the Belgian one, the brown one? The one on the left. Okay, so donc le cheval sur la gauche, le cheval B foncé, c'est un cheval d'origine belge, qui est un cheval qui avait l'habitude de faire de la compétition de jumping. Donc c'est un cheval qui était déjà habitué à ce genre d'environnement, avec des stimuli extérieurs, du bruit, des applaudissements, etc. Donc c'était plus facile au départ pour l'amener en compétition. Par contre, le cheval qui est à droite, donc c'est un Lusitanien, qui lui n'avait pas du tout cette expérience, donc pour lequel il y avait plus de désensibilisation ou ce genre de choses à faire. Mais par contre, c'est un cheval qui avait de très bonnes prédispositions psychologiques, si on peut dire, pour la discipline, et qui avait vraiment l'envie et la volonté de se prêter aux exercices, ce qui a permis de réaliser les exercices présentés. So I'll carry on showing a couple of stories and a couple of projects that we've been working with, and then I'll situate in how we came up and how we found the situations. So we've been working, we had some visibility for some magazines for the approach that we've been having, because it's quite unusual in Portugal, so we get more visibility for the Voltige Team project. So this is a couple of magazines that we had. Donc en fait, ils ont fait en sorte d'apparaître dans les médias, dans les magazines, puisqu'encore une fois, la Voltige est une discipline qui n'est pas vraiment connue ou reconnue au Portugal. Donc bien sûr, le soutien des médias et l'apparition dans les médias leur a permis de développer la connaissance autour de leur pratique et de leur projet. And the idea of the title of this presentation, that I'll explain it by the end of the presentation, is Thoughtful Rider. By translation is a bit of a challenge. Donc en fait, l'idée principale de sa présentation, c'est de vous familiariser avec la notion de cavalier avisé. On le traduirait thoughtful driver, rider, c'est cavalier avisé. It means that it is a rider that is more aware and is more capable of understanding its surroundings. So what we want to bring from the what we've been doing with the mediation, we want to bring a more artistical approach to it, and bringing the horse to the city and to environments that he is normally not seen. Donc l'idée, en fait, c'était le cavalier avisé. L'idée, c'est de faire en sorte que le cavalier soit plus ouvert et plus conscient de son environnement et d'autres stimuli ou d'autres choses qu'il pourrait être amené à devoir gérer. Et ensuite, l'autre partie, c'était vraiment en fait d'amener le cheval dans des milieux plutôt urbains dans lesquels la population n'est pas forcément habituée à le voir. This was the centurial of the Republic in Portugal. It was the celebration of 100 years of a Republic that they decided, and we proposed that we would have a white horse as the representation of Republic. And this is the center downtown of Lisbon. Donc ici, les photos ont été prises en plein centre de Lisbonne à l'occasion du centenaire de la République du Portugal. Donc l'idée, c'était de présenter un cheval de couleur blanche pour représenter la République et encore une fois d'amener un cheval en plein centre-ville de la ville de Lisbonne. So on the left and on the middle images, these are works that we've been doing for cinema. So it's an Italian movie and also a video clip that soon will be here. It's a French video clip from... Ben Pokora? Yeah.
Donc les photos que vous voyez ici, c'est plutôt du travail qui a été fait au niveau du cinéma. Donc à gauche, la photo de gauche, c'est une photo qui est tirée d'un film italien. Et la photo, celle que vous voyez où le cheval est dans la forêt, peut-être quelques personnes le reconnaissent ou peut-être qu'il n'est pas encore sorti en France, mais il va bientôt sortir. C'est un clip de M. Pokora par rapport à Robin des Bois. Donc ça va pas tarder à arriver en France. And also some approaches that we wanted, we proposed for many different sources. This idea of bringing a horse to an uncommon environment. So this was an advertising that they did in a place that it was supposed to look like a moon surface, mm-hmm. that there was only the horse running in slow motion. But what kind of place was it? A rock place. Donc toujours dans l'idée d'amener un aspect artistique et aussi surtout le fait d'amener le cheval dans des endroits où il n'est pas forcément en commun ou où les personnes ne sont pas forcément habituées à le voir. Donc là, l'idée de ce show, c'était de représenter une surface qui aurait pu faire penser, qui aurait pu évoquer la surface de la Lune et de présenter un spectacle ou une représentation sur cette surface, sur cet environnement. Rock factory. Parce que j'ai demandé quel était l'endroit et donc en fait c'est une carrière d'extraction de roches. Voilà. Yeah. And also in collaborations with other photographers and other artists that they see, they want to have their own impressions of how we understand the horsemanship. So this is on the left is Laurent Vilbert, is a French photographer. And on the right is a Brazilian photographer as well, Talita Miranda, that they've been doing exhibitions on this different approach that we've been trying to propose with the project. Donc ici, il y a deux photos qui illustrent le soutien de deux photographes qui se sont intéressés au travail donc, que Natalia et son équipe projet ont souhaité mettre en place. Cette approche donc, de représenter le cheval dans des environnements peu communs ou peu connus. Donc c'est un photographe français et un photographe brésilien. Yeah. Et un photographe brésilien. This is the same project that we've been doing with the Thought for Rider. It's bringing the horse into a Buddhist temple, done with a Portuguese photographer. And on the right is a forest in Sintra in Portugal, done with an Italian photographer as well. Donc la photo de gauche, ça a été d'amener le cheval dans un temple bouddhiste et les photographies sont faites par un photographe portugais et à droite un photographe brésilien dans une forêt au Portugal. Spain and Germany. Espagne et Portugal. Germany. Espagne et Allemagne, pardon. This project we did, we decided to bring, there's an abandoned factory. There are a couple of abandoned buildings in Lisbon that has been being used for creative projects. And we decided to bring the Thoughtful project for one of them. That we started a performance with the projections on the background of the horse and trying to bring to this very urban and very industrial environment a more nature vision of the horsemanship. And on the outside of the factory, so as soon as you would leave the gate, the horse would be there, so people could approach them, so people could touch them, and that's one of the projects we had. In Lisbon. Yeah. Donc ça, c'est un projet qu'ils ont mis en place toujours du côté de Lisbonne. Juste à la sortie de la ville, il y a beaucoup d'usines désaffectées. Donc en fait, ils ont mis en place un show dont le principe était de commencer par une projection d'image du cheval sur le fond dans l'usine. Et ensuite, donc, il y avait le spectacle. L'objectif du spectacle, c'était, encore une fois, d'amener le cheval dans un environnement très urbain, pas du tout naturel, donc de créer cette synergie entre les deux. Et ensuite, une fois que le spectacle était terminé, lorsque le public sortait de la scène, il pouvait entrer en contact avec les chevaux. Les chevaux étaient juste à la sortie, les personnes pouvaient toucher et interagir avec les chevaux, ce qui n'est pas du tout commun dans ces environnements. And it's a place, this abandoned factory is made, it's in the suburbs of Lisbon, mm-hmm. so in a place very far from any nature. Yeah.
Et donc c'est vraiment situé dans une banlieue de Lisbonne qui est vraiment très très loin de... Enfin, la première campagne est vraiment très éloignée. Donc les personnes qui vivent à ces endroits-là n'ont pas l'occasion régulièrement de pouvoir entrer en contact avec la nature. So this is the same project made in another factory, the one on the left. And the Lusitanos, because the fact that we use Lusitanos and it's so uncommon, we decided to make more demonstrations that the functionalities and the abilities that this horse can have for our approach. Donc ça c'est le même spectacle qui a été présenté dans un autre lieu d'usine désaffectée. Et ensuite, étant donné qu'ils utilisent le lusitanien pour ce type de spectacle et que c'est encore plus peu commun au Portugal, ils sont plus habitués à voir les lusitaniens dans d'autres types d'activités. Donc ils ont été sollicités pour faire encore d'autres démonstrations et développer encore plus les présentations des capacités du lusitanien dans d'autres activités que celles pour lesquelles on le connaît habituellement. Exactly. So in this case study, now that we've seen a broad idea of what we've been doing in the past couple of years, why we go back to the last word I said, well, to do this, we need to be very persistent. Then why so persistent? Well, basically because we work, we don't have different institutions to support, so we had no budget. It had to be a sustainable project. Donc les points principaux de ce projet, le point principal, c'était vraiment qu'il devait être extrêmement tenace et persévérant, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas du tout de structure en place, il n'y avait pas de soutien d'institutions par rapport à la création et à la mise en place du projet, et donc il n'y avait pas de budget. Donc pour que le projet soit viable et puisse avoir lieu, voir le jour, il fallait vraiment être persistant et persévérant et trouver des solutions. Also, no openness and skepticism. So as soon as you would relate gymnastics or dance or any artistic feature related to horses, they would immediately think, well, is this circus? Or they would be very skeptical about the value that we were proposing. Donc ils se sont confrontés à un manque d'ouverture et beaucoup de scepticisme lorsqu'ils ont souhaité mettre en place ce projet, puisque la réaction principale des personnes c'était mais qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que c'est que cette approche artistique, quelle est la valeur ajoutée de ce projet. Donc il a vraiment fallu se battre et faire comprendre les bienfaits que cela pouvait apporter. The lack of coaching, so the challenges that we had and solutions that we looked for it, because we had no coaching or different coach to coach us for the competition, because we didn't have a coach to coach us the horse, our alternative was looking for multidisciplinarities. So to prepare the horses, we took the chance that in Portugal there are very good horse masters and the very strong knowledge in horsemanship and classical horsemanship. For the preparation of the athletes and the gymnastic preparations, we took some knowledge and some teachings from a contemporary circus school that is based in Lisbon. And for the health, the healthy living, and for the diet, we have our longe. She's a study of osteopath, and we also have a chiropractor that is constantly following our work in giving us the knowledge that we need for nutrition and for the healthy living that is necessary to be a vaulter, because you have to be a rider, you have to be also an athlete. Ok. Un autre des challenges qu'il y a à tout ce qu'on a dit avant, c'est donc le fait qu'il n'y avait pas de coaching, puisque n'ayant pas de structure en place, il n'y avait pas de personne désignée qui pouvait les encadrer par rapport à ce projet. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils ont mis en place un fonctionnement multidisciplinaire. Donc en fait, ils sont allés chercher des compétences chez différentes personnes. Par exemple, pour l'entraînement des chevaux, ils se sont adressés à des maîtres d'école reconnus, puisqu'au Portugal, il y a beaucoup de maîtres d'école qui pratiquent le dressage classique et qui sont très reconnus. Donc ils se sont servis de cette compétence-là pour l'entraînement et le dressage du cheval. En ce qui concerne le coaching des athlètes, ils ont eu recours, ils ont utilisé la ressource d'un cirque, une école de cirque contemporain, donc qui les a aidés à développer
le spectacle au niveau des athlètes. Et ensuite, par rapport à l'entretien et le bien-être des chevaux, ils se sont appuyés sur leur longeuse qui faisait des études d'ostéopathie et qui du coup avait des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Donc ça a vraiment été un travail cross-disciplinaire pour pouvoir monter ce projet. In the need to be sustainable, we figured that being independent has its difficulties, but we also can get to choose how much the horses are working, how they have been worked, what they have been eating, and we can have many independent decisions to make sure that we're following in the same directions and not diverging in case we have another school or we're inserted inside another institution with different strategies. Donc là, l'idée, c'était qu'en fait, ils avaient vraiment besoin d'avancer pas à pas et de prendre des décisions en fonction des événements qui se présentaient, parce que comme ça venait de différentes sources et de différents intervenants, il fallait adapter au fur et à mesure du projet en fonction de ce qui se présentait. What I mean by independent working is we were not working for a school, so we could choose more specifically according to our strategy and not the strategy of the school. Donc, et plus précisément encore, l'autre point, c'est que, étant donné qu'ils faisaient un travail indépendant, qu'ils ne dépendaient pas d'une école ou d'une structure en particulier, cela leur a permis de vraiment faire avancer le projet dans la direction qu'ils souhaitaient par rapport à leur stratégie et leur objectif de projet, et non pas de se plier à un programme ou à des fonctionnements préétablis qui ne dépendaient pas d'eux. And I think it's a very common feeling for people that are already working in similar projects in mediation that many times we're lost and we don't know what to do or where to go. And in my case, I didn't know who to ask. So the alternative is just keep walking, let's carry on doing it. There's always Google. If you don't find it on Google, we will find someone that can help us out. And we can find some alternative or some literature that will answer or at least help us with our concerns. Donc l'enseignement à tirer de ça et l'expérience qu'en a eu Natalia, c'est le fait qu'elle s'est trouvée un petit peu désarmée face au fait qu'elle ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'encadrement, de l'information, de l'enseignement par rapport à ce projet. Et donc l'enseignement qu'elle en a tiré, c'est que eh bien, il faut avancer pas à pas, il faut donc persévérer, et qu'au fur et à mesure, on trouve des solutions, on trouve des personnes ressources qui nous permettent d'avancer un pas après l'autre. Et comme elle disait, il y a toujours Google éventuellement à un moment qui peut aussi intervenir et apporter quelque chose. Et au final, en avançant, ça se fait, on y arrive et le projet se réalise. And the outcome and the results that we would find with those challenges that we had to overcome is that we, Voltige team itself, the group of the students and the horses, we have a very different and a unique approach as athletes and as artists, as a trainer, because I come out now, I have knowledge from different sources. And once in an informal conversation, somebody mentioned, well, this is probably what it means to be a thoughtful rider. Et donc, ça lui a permis donc, d'avoir cette expérience très variée. Et maintenant, donc, elle a du coup plus d'expérience, plus de connaissances. Et l'aboutissement de ça, c'est que lors d'une conversation informelle avec une personne, en décrivant le spectacle et ce qu'il faisait, la personne lui a dit « Je pense que c'est ça, être un cavalier avisé. » Donc, c'était vraiment l'aboutissement. So, trying to narrow down what a thoughtful rider would be. We realized that the person has to be within a thoughtful rider should be a problem solver. A person that is when is facing a problem will look for creative alternatives to find a solution. So either can be while you're training your horse, while you're motivating an athlete, or while you're trying to make this whole project happen and be sustainable. Donc par rapport juste à ce qui a été dit avant, le fait donc d'être un cavalier avisé, le commentaire que la personne a fait, c'était pas seulement par rapport au projet ou au spectacle, c'était par rapport à tout le travail qui a été fait et au cheminement qui a été fait par Natalia et son équipe. Le fait d'être un cavalier avisé, c'est vraiment ça, c'est en fait d'avancer pas à pas et de trouver des solutions pour contourner les difficultés, trouver des ressources et surtout continuer à persévérer et faire réussir son projet ou sa collaboration avec son cheval en tant que cavalier.
a venturesome person. I don't know how you would translate that. As a person that is willing to take risks, but also in a responsible way, as we're working with kids, and we should be a role model for them. Et donc un autre point qui est très important, c'est d'être une personne qui est prête à prendre des risques, mais dans d'une manière responsable. Notamment quand en travaillant avec des enfants, par exemple, il faut pouvoir les amener à faire quelque chose, dépasser leurs difficultés ou leurs challenges, mais tout en gardant un côté responsable et sécuritaire. Also a very, I would say, a resilient person that is capable of dealing with frustration. And this is what Voltige brings us to an athlete when you're training Voltige, is you're always working in team. There's you, there's the horse, and there's Landre. And there may also be your team. And you have to deal with the frustration and cope with it in order to carry on doing it. Because maybe you might be in your best day, but if the horse is not, or if somebody in your team is not, you're working as a whole. So to make sure everything is working fine, you have to help out the others. Et un autre gros apprentissage, c'est vis-à-vis de la frustration, parce que la voltige, c'est une discipline qui fonctionne en équipe, comme on l'a vu avec les ateliers. C'est pas seulement le voltigeur, c'est le voltigeur, le cheval et le longeur, ça forme une équipe. Et le voltigeur se doit d'apprendre qu'il n'y a pas que lui qui a un impact, et enfin que disons qu'il n'y a pas que lui qui décide ou qui agit, et qu'il faut faire aussi en fonction du cheval, du longeur, du reste de l'équipe, et ça lui apprend à gérer sa frustration et ce genre de difficultés. Also, a self-motivated person that brings the joy and brings the motivation from its work, from doing it and not waiting for a final result or a final outcome. It is takes pleasure from doing it what we like doing it. Et donc il faut être aussi extrêmement self-motivé, motivé par soi-même et ne pas attendre que les choses arrivent toutes cuites parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est un excellent apprentissage pour se mettre en avant et réaliser les choses par soi-même. And also, I would say, we're probably living in a digital revolution, so finding information is much more easy. Which can be good and can be bad. Good can because we can find this information in case we need, which was the case of this project, but also we have to be very critical to what we find. So we have to be able to read, but also be able to analyze, be critical, try, and analyze and think again if it works or not. Donc il y a eu tout un processus de travail vis-à-vis de la recherche et l'utilisation de l'information, puisqu'il y a une révolution digitale qui est en place, donc l'accès à l'information est d'une certaine façon plus simple, mais du coup il faut aussi trouver cette information, l'analyser, l'utiliser, l'essayer, la mettre en place, et ensuite prendre du recul et refaire une analyse en fonction des impacts de cette mise en place. Donc il faut vraiment avoir un comportement didactique par rapport au travail vis-à-vis de l'information qu'on peut trouver dans toutes les différentes sources, notamment digitales, numériques. It's also a rider that loves the nostalgia, that reads the classics, also finds the information on YouTube and is able to merge the two informations, but also loves the idea that the horses can be transversal to our lives, and the horse can mediate a lot of psychological or social or many other skills that we can learn through the horse in a very joyful way. Donc c'est aussi le cavalier avisé, c'est aussi une personne qui est intéressée par le fait d'allier d'un côté les méthodes classiques ou la tradition peut-être d'un certain côté avec des méthodes innovantes, des approches différentes pour pouvoir vraiment faire jouer ces deux aspects et réaliser sa propre approche du projet ou de la pratique. So I think being here finally in realizing this much other people working with it and working in this environment, it brings a lot of reassurance. So you should value a lot that the opportunity that you have a community that you can help each other and you can foster the information to grow and the research to grow. And it's very positive also for the impact that this will have in Portugal for the growth of the discipline there. Donc ce que Natalia trouve extrêmement positif, c'est des manifestations comme celle-ci ou l'opportunité que vous, professionnels, vous avez là de vous réunir et d'échanger entre vous parce que par rapport à tout ce qui a été expliqué pendant la présentation, c'est vraiment une ressource très très importante qui peut vous permettre d'avancer dans vos propres projets en échangeant entre vous et en avançant ensemble sur des domaines et sur des sujets différents.
I think this will have a very positive impact as well in what Portugal. What do you mean by this? That this will help the project and to grow there as well. The presentation? This meeting, the ok. Et donc, le fait que la présentation de Natalia à l'EQI Meeting va aussi être un moyen pour elle, de son côté, de développer et de faire évoluer la connaissance, la compréhension et l'approche de ce type d'activité et de présentation au Portugal, où ce n'était pas forcément évident. So thank you, and in case you have any doubts, I'm glad si vous avez des questions.